La nouvelle maison de la petite enfance a été inaugurée dernièrement à Milly. Ouverte depuis le 27 février, cette maison de la petite enfance située au 804 avenue de la Libération centralise sur 900 mètres carrés tous les services publics de la petite enfance proposés par la ville. Le relais assistante maternelle, la crèche familiale, un espace loisir d'écoute et d'échange, mais également une ludothèque dédiée aux loisirs. Laurence Jamme, responsable de la maison de la petite enfance à Milly. La maison de la petite enfance, donc, c'est une structure qui regroupe tous les services proposés aux familles en recherche d'un accueil. Donc on va avoir la crèche familiale, le multi-accueil, le RAM, le relais assistante maternelle, et nous avons ajouté la ludothèque qui a rejoint le bâtiment. On s'est installé le 27 février. Et bien, on passe d'une superficie de 200 m² à plus de 900 m², avec du coup un bâtiment de plein pied, des espaces vraiment adaptés aux besoins des enfants et adapté au personnel. Donc là, ça fait l'unanimité auprès des parents. Donc des espaces clairs, lumineux, donc spacieux. Et puis donc avec tous les équipements adaptés donc aux jeunes enfants. Pour Gérard Dupaty, le maire d'Amy, c'est une fierté d'inaugurer cette maison de la petite enfance. C'est quand même un établissement important, un investissement très important qui va donner un nouveau souffle à la petite enfance, au service petite enfance de la ville d'Abilly, puisque c'est un domaine prioritaire de la ville, hein, que la prise en charge de l'enfance en général. Rappelons-nous, nous avons obtenu le label UNICEF Ville Amie des Enfants en 2004, qui nous a été renouvelé en 2016, et nous sommes encore la seule ville du Loiret à bénéficier de ce label. Et donc, cette infrastructure va venir conforter l'image de la ville. Au total, la ville d'Amy a engagé 2 280 000 euros pour réaliser cette maison de la petite enfance et a reçu le soutien de divers partenaires. La caisse d'allocation familiale est intervenue à hauteur de 96 200 euros dans le cadre du plan crèche pluriannuel d'investissement et de 104 000 euros pour les travaux, les honoraires et les équipements, auxquels s'ajoute un prêt à taux zéro de 208 000 euros. Le département apporte un soutien technique pour la création du multi-accueil. Quant à la région, elle a accordé 250 000 euros au titre du contrat régional de solidarité territoriale. François Bonneau, président de la région Centre Val-de-Loire. Quand on regarde dans ce domaine, le succès de notre pays, la France, avec un taux de natalité, même s'il a légèrement baissé, on insiste sur le légèrement baissé, mais on est tout premier au niveau européen. Si on regarde le succès, on doit le corréler à des réalisations comme celles que nous inaugurons aujourd'hui à Milly, c'est-à-dire la prise en compte par l'État, par les collectivités territoriales, avec passion, avec détermination, la prise en compte de la place des enfants et des familles au moment de la naissance et des premières années de la vie. C'est absolument essentiel. Et moi, je fais un lien entre ce que l'on inaugure, et je félicite à Milly, je fais un lien entre ce choix, cette priorité donnée à la petite enfance et à l'éducation. Quant à la ludothèque d'Amilly, elle est ouverte à tous les publics, enfants et adultes, le mercredi et le samedi de 14h à 18h en période scolaire et du mardi au samedi de 14h à 18h lors des vacances scolaires. On y trouve des centaines de jouets et de jeux à tester sur place ou emporter chez soi grâce à un système de prêt. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la ludothèque d'Amilly au 02 38 28 76 78.